Après un petit peu de repos au centre Pokémon, mon objectif était simple à présent. Je devais me faire cette arène afin d'obtenir mon premier badge. Car de ce que maman m'avait raconté, 8 badges me permettaient d'atteindre la ligue Pokémon qui permet à tout dresseur d'avoir son titre marqué à la ligue avec ses Pokémon. Mais pour cela, il me fallait une équipe, et une équipe forte. Mais 2 Pokémon, ce n'était pas assez pour une équipe, il m'en fallait un troisième. Je choisis donc un Chenipan que je combattis. Mais je pensais peut-être que si je le tapais, je lui ferais trop de dégâts. Du coup, je décidais donc de lui lancer directement une Pokéball afin de le capturer. Ce que je réussis. Et ça y est, c'était bon. Chenipan était dans notre équipe. Maintenant, il fallait à tout prix que j'entraîne mon équipe afin de pouvoir battre ce premier champion. Bien que je n'avais pas mesuré l'ampleur des niveaux de ce champion, je me doutais qu'ils allaient plus fort que moi. J'estimais les niveaux du champion vers 10, 12, peut-être 13. Et je me disais que d'avoir mes Pokémon à ce niveau-là pourrait m'être très utile. Et c'est là, au moment où Nidoran apprend double pied, qu'un déclic se fit. J'avais entendu dire que le champion d'Argenta était Pierre, champion des Pokémon Roche. Double pied me semblait une attaque particulièrement utile contre ces Pokémon. Car de ce que je savais, mes attaques électriques n'auraient aucune utilité contre ces Pokémon Roche. Vais-je pouvoir compter uniquement sur mon Nidoran? C'était la question que je me posais. Et je devais avoir à tout prix une réponse. Je décida donc de tenter une première fois cet arrêt et voir ce qu'elle retournait. Si mes Pokémon étaient assez puissants, je devais avoir une réponse à mes questions. Je commença donc par mesurer la température face aux sbires de Pierre, le champion d'arène. Malheureusement, ce combat se voit par un échec de ma part, le premier. Je ne pris pas le temps de me repentir sur mon sort, mais au contraire, cette défaite m'avait apporté une chose. Comment je pourrais battre Pierre si je n'arrive même pas à battre son sbire? Non, il me fallait continuer XP. Pendant ce test de l'arène, quelque chose m'avait été confirmé. Mon Pikachu ne me serait d'aucune utilité à cette arène. Cette fois, c'était confirmé. Il me fallait donc que j'y à tout prix et en priorité mon Nidoran et notre Chenipan. Tout nouveau Pokémon qui n'avait même pas encore été mis à niveau quand j'ai tenté le Pierre de Pierre, le champion d'arène. Je devais XP, je devais m'en sortir. Et c'est pendant cet entraînement acharné, passant au niveau 7, que notre fier Chenipan allait évoluer. Notre toute première évolution allait avoir lieu. Chenipan allait évoluer en cri.
petits aciers. Bien me direz-vous, mais pas suffisant. Ça manquait toujours de quelque chose. Il me fallait continuer XP. Encore, encore et encore. Les Pokémon s'enchaînaient les uns après les autres. Mourant, un nouveau apparaissait, un nouveau mourait. Ainsi de suite, jusqu'à ce que mon Pikachu apprenne l'attaque, vive attaque. J'en pouvais plus d'XP. Heureusement, ce Rookups m'a fait passer niveau 11 et m'a appris vive attaque. La première attaque de notre Pikachu qui allait vraiment être utile pour cette arène. N'en pouvant plus d'XP et ayant appris cette nouvelle attaque, je décida de retenter l'arène une nouvelle fois afin de tester de nouveau nos Pokémon face à l'arène. Et puis maintenant, j'avais mon Nidoran avec double pied qui pourrait faire des dégâts et Pikachu avec des attaques qui pouvaient être en support. Du moins, c'est ce que je pensais. Ça y est, le combat était lancé. Je ne pouvais plus faire de choses. Un stress commençait à émerger en moi. Les Pokémon étaient assez forts. Mon Pikachu, avec son attaque vive attaque, allait-il servir comme je l'espérais? Nidoran aurait-il assez de puissance avec son attaque double pied? Tant de questions et super réponses. Mais le combat se passa étonnamment bien. C'est gagné. Une première victoire pour moi. Mais je ne réussis pas trop vite. Car je savais que le futur était encore à venir. Pierre était en face de moi. J'hésitais entre continuer XP pour être encore plus fort ou aller affronter Pierre maintenant. Mais n'allons pas trop vite sans réfléchir. D'abord, je passe au centre Pokémon, soigne mes Pokémon. Une fois fait, j'étais de retour à l'arène. Pierre se tenait devant moi. Allez, c'est décidé. Cette fois, je tente Pierre. Le combat se lançait. Mais peu importe, je n'étais vraiment, vraiment pas sûr de gagner. À dire vrai, j'étais même persuadé que j'allais perdre durant la totalité du combat. Mais c'est face à son Onix et grâce à notre Nidoran et sa magnifique attaque double pied que la victoire était à nous. Nous avons gagné. Nous avons notre premier badge, le badge Roche. Et ça y est, on pouvait enfin se réjouir. La première arène était derrière nous. On avait enfin gagné. Non sans mal, mais on pouvait enfin le dire. Ouais, on se lance. Notre objectif serait maintenant de faire toutes les arènes Pokémon afin d'accéder à la Ligue Pokémon. Alors, la prochaine arène était déjà ancrée dans ma tête. Pour moi, elle ne devrait plus tarder. Mais même si je gagnais, je savais. Je restais focalisé sur le moment présent et je mis les arènes dans un coin de ma tête afin de ne pas trop me précipiter. De plus, je savais très bien qu'il fallait absolument que je fasse tous les Pokémon rencontrés, puis tous les dresseurs, afin d'avoir un maximum d'expérience pour monter de niveau et pour pouvoir battre les dresseurs et les champions d'arène beaucoup plus facilement.